retrouve dans une nouvelle vidéo avec un haul mode, puisque ces dernières semaines j'ai acheté encore quelques fringues bien sûr, alors que dans même pas 10 jours je suis aux États-Unis, mais c'est pas grave, il y aura de toute façon un haul américain à mon retour de Los Angeles, donc deux hauls qui vont se suivre à peu près à un mois et demi d'écart, pas de problème. La première chose que je voulais vous montrer, il s'agit de ces bottines argentées là de chez New Look que j'ai acheté sur Asos, que je vous ai montré dans ma wishlist sur mon blog, puisque je mets régulièrement à jour cet onglet là où en fait je sélectionne les fringues, les pièces que j'aime bien pour vous donner des idées et pour que vous craquiez aussi comme moi. Donc elles se présentent comme ceci. En fait je voulais un peu des remplaçantes à mes bottines glitter qui commencent un peu à s'abîmer vu que je les mets souvent, et j'ai trouvé celles-ci, je les ai payées 40 €, donc rien à dire vraiment. Elles ont 8 cm de talon il me semble, mais ils sont assez épais, vous pouvez voir, donc on marche assez facilement avec. Elles ont un embout un peu arrondi, mais un peu plat quoi, voilà, avec une fermeture éclair à l'arrière, hop. Donc elles montent bien et elles serrent les chevilles comme il faut. Elles sont vraiment super sympas. Par contre, au début, elles glissaient, ce qui faisait que dans la rue, j'ai failli me vautrer deux fois avec. Donc il faut un peu les faire la semelle ici. Elles sont vraiment très sympas. Par contre, je ne vais pas vous mentir, je pense que j'aurais peut-être dû prendre la pointure au-dessus vu qu'elle taille assez petit, je trouve. Elle me serre un peu au bout, donc ça c'est embêtant et du coup je ne peux pas les porter trop longtemps, sinon ça me fait mal aux pieds. Mais sinon, à part cet aspect là qui est quand même important, elles sont très jolies et je les aime beaucoup. Et vous pouvez les retrouver sur mon blog, dans des looks sur mon blog. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ce jean-ci chez Benetton. Donc je l'ai mis plusieurs fois sur mon blog, vous pouvez le voir. Donc c'est un jean rouge, enfin rouge coquelicot plutôt, vraiment. C'est une couleur hyper sympa, c'est un super skinny. Par contre, j'ai pris du 36. Parce que 34, c'était vraiment trop petit. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais bon, il faut le savoir, les essayer. Mais sinon, aucun problème. À part que j'ai eu un problème de décoloration sur le genou droit. En fait, ça a fait une sorte de tache un peu blanche. Comme si le tissu avait décoloré. Donc je suis allée leur montrer. Je l'ai relavé. Puis on verra bien. Donc ça, ça m'a un peu saoulée. Mais sinon, c'est un jean vraiment très cool. Et qui met de la couleur à un look. Surtout que je revoulais un jean un peu dans ces couleurs là vu que je n'en avais plus. Et il est vraiment très sympa, hyper confortable. Et surtout il fait des jambes et des fesses de ouf. Donc ça, ce n'est pas négligeable. J'ai également cette jupe New Look là que j'adore. Alors j'ai exactement la même en bleu que j'avais acheté sur Asos, et quand je l'ai vu chez New Look en rouge, j'ai craqué. Donc j'ai pris du 36 alors que l'autre, je l'avais pris en 34, je crois bien. Donc ça, c'est le cadeau de Noël de ma grand-mère pour moi. Voilà, je l'adore littéralement. J'adore cette forme de jupe en fait, forme midi. La couleur est géniale, la matière, je trouve ça génial. Je me répète, mais Maje avait sorti un peu le même style en robe, mais genre à 200-250 €. Ils sont complètement malades mentaux. Et quand j'ai vu qu'ils faisaient la même, un peu dans le même genre, je me suis dit go à 35 €, voilà. Il y a une fermeture éclair au dos et vous ne tarderez pas à voir des looks avec sur le blog, parce que franchement, énorme coup de cœur pour ça. Je l'adore. Et avec au Zara pour ma tenue de Noël, du coup. C'est un haut trafaluque que j'ai payé seulement 15 €, alors que vous pouvez voir, il est super bien travaillé. Donc, par contre, vous pouvez voir qu'il est assez transparent, donc ça c'est un petit peu chiant. Mais bon, voilà, c'est un haut vraiment très léger, bien sûr il faut mettre un truc en dessous. Mais en fait j'ai adoré les très longues manches qui donnent un effet vraiment chic, féminin, avec là cette dentelle hyper fine, hyper jolie. J'adore ce haut littéralement. Voilà, donc ça vous le verrez aussi sur le blog, parce que je pense que ce sera mon outfit de Noël. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ces manches on peut les mettre autant longues que 3/4. Donc à essayer, mais je pense que long c'est quand même plus sympa. Voilà, non mais j'adore ce haut, franchement j'adore ce haut, il est trop beau. Et en plus il peut aller avec plein de choses. Et ce qui est bien,
c'est que avec la jupe ça ira super bien vu que la jupe est un peu haute et que du coup avec ça et ben on ne verra pas trop mon chemise de Pull&Bear que je vous ai montré dans la vidéo mes indispensables modes du moment. Donc je me répète sauf que je l'ai acheté ben, avant, donc j'aurais dû faire le haul avant. Mais voilà, donc c'est celle-ci avec des étoiles. Elle est couleur moutarde, j'adore cette chemise. Aux dernières nouvelles, quand je suis allée chez Pull&Bear, donc quand vous regarderez, ça fera au moins un mois que j'y serai allée. Mais elle y était encore, donc franchement, checkez en boutique et sur le site. Si je vous la trouve sur le site, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon. Mais j'adore cette chemise parce qu'elle est hyper légère, donc fluide. Bon, bien sûr, quand il fait 0 ou 2 degrés comme en ce moment, ça ne va pas suffire. Mais disons que pour une soirée ou quand il fait un peu plus chaud, c'est vraiment sympa. J'adore la poche ici, elle est vraiment trop belle. Puis la couleur, le même style, et encore, je vous l'ai montré dans mes indispensables, le même style en noir et blanche acheté chez Pinky. Cette fois-ci, il y a des poches dans les deux, sur les deux seins, quoi. Voilà, j'adore cette chemise, encore une fois, je la préfère même à l'autre. Je la trouve super féminine, super jolie. Par contre, ce qui est chiant avec ces chemises, c'est qu'elles se froissent à une vitesse de ouf. Alors qu'elles ont été repassées récemment, elles sont de nouveau froissées. Donc ça, c'est assez pénible. Mais sinon, énorme coup de cœur pour ces chemises-là. Et elles, franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit, il faut que je la prenne parce que... Parce que voilà. La dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ce cardigan-ci de chez Boohoo que m'a offert mon copain, parce que je lui offrais régulièrement des vêtements. Et il a dû se dire, ben, à ton tour, bien que je ne voulais pas qu'il me l'offre. Donc en fait, c'est un cardigan gris très foncé, comme ceci, avec des boutons ici. Donc il y en a 4, voilà. Il est assez long, je le mets avec tout. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est assez chaud, franchement. Il a 2 poches ici, donc vraiment très pratique. Moi, je le mets tous les jours en fait pour rester à la maison. Je le mets aussi un peu pour aller à l'extérieur, pour sortir. Mais pour rester à la maison, on est trop bien dedans. C'est juste un bonheur. Et surtout, ce qui est bien, c'est que sur Boohoo, limite, chaque semaine, il y a des promos, genre moins 50%, moins 20, moins 30. Et la semaine où on l'a acheté, il y avait moins 50. Cette semaine, il y a encore moins 50. Quasiment toutes les semaines, il y a moins 50. Donc voilà, surtout que quand vous verrez la vidéo, ce sera les soldes bientôt. Donc profitez-en. Du coup, on l'a eu à 15 euros au lieu de 30, donc rien à dire. Et ce qui est bien, c'est que c'est fait en Angleterre et non pas en Chine, en je sais pas quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Regardez ma vidéo sur le bégaiement où je partage avec vous mon histoire sur ce problème là. C'est très sympa, mais du coup ça a plu à beaucoup de monde. Bah, disons que ça a intéressé beaucoup de monde, il faut croire, vu le nombre de vues que j'ai eu. Donc je suis assez heureuse de ça, de vous faire partager mon expérience. Et si ça peut en aider certains et à en faire comprendre d'autres, je suis heureuse.
Ravie, c'est le but. Voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Salut à tous !